topesi basantu tinosombota na kombo na Yesu chika ete kimia na kolo Yesu pe bolingo na ye e zala likolo ya moko na moko que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Ok. Tozoko bana kati enseignement na biso. Tokoma ki na 7e parole. Tokoma ki na 7e parole. 7e parole tozwi déjà ba aspect belé. Je crois que simbi déjà 3 aspects. Lelo tozo simba 7e aspect. Mais tozo changer aspect mususu. Lelo parce que évangile na biso to pambola kanzambe po eza évangile oyo eza ya ba couleur ebele. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois tout de suite 7e parole. Dans cette parole, tu sais, il y a 3 aspects. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as abordé l'aspect Moussousou. Tu as dit que le 4e aspect, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Yamboto Bandato Bondeli, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce temps. Nous voulons parler de ton nom. Yomoko Zala Mote, Ipezala Litea. Tombama na tongo ya lelo na katalite ya o partout ekoyokama ozala nzambe akopesa kimia pe makasi na biso bakolanda biso nyonso ya mungu nzanga mokio nom de Jésus tomitiki na saloboko na yo utilise nous pour ta gloire au nom de Jésus amen. Tozana mukanda ya like chapitre na yango 23 tozwi verset 46 like 23 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Tout ça, je suis belé à Kolobela Awa. Tout ça, je suis belé à Kolobela Awa. Ils appellent ça et belé. Mais, tout ce qui est malembe, malembe. Dans le 4e aspect, par la mesure, il y a grâce au Seigneur à Salibiso Tokoloba Boué. Le Seigneur a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est pour dire que l'esprit a quitté le corps de Jésus. L'esprit a quitté Wapi. L'esprit a quitté. L'esprit a quitté Namaboko. C'est pour dire que ce que l'on a l'esprit n'a qu'à Tanzoto. Ou comment on a l'esprit n'a qu'à Tanzoto. Mais l'esprit a quitté Wapi, l'esprit a quitté le corps. Que le Seigneur bénisse. La Bible nous dit dans le livre de Jean 4, 24, tout en Jean 4, 24, tout en Bible Zoro Baboué. Jean 4, 24, nous dit que Dieu est esprit. Bible Tesso Kenzambe Azalaka Molimo. Ok. C'est pour dire que le corps de Jésus, Azalaki corps Oseka Molimo Azalaki. C'est pour dire que Dieu, pour faire un travail, a quitté qui n'a qu'à t'enzoto ya Yesu. Tant qu'on a quitté n'a qu'à t'enzoto to bengi Jésus, il va travailler dans ce corps qu'on appelle Jésus. Mais tant qu'on a aussi le samoussala n'a qu'à t'enzoto où on appelle Jésus, il faut acquitter. N'zoto, babengi n'a combat Jésus, n'de azo kende sikou n'a maboko ya nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Dieu quitte le corps. C'est pour dire que ce que l'on a fait dans le monde, ou comme on a fait dans le monde, c'est pour dire que ce corps était resté Ikabod. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Quand on a parlé de ça, on a parlé de ça. Colossiens chapitre 2, verset 9. Bible est parlé de ça. Colossiens 2, 9. Car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, pour nous amener, il va nous amener à nous, on appelle Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Mais Dieu devait travailler dans ses corps. Tant que nous amener à travailler dans ses corps, tant que nous assister à travailler dans ses corps, nous amener à quitter nos corps pour aller dans les mains. Que le Seigneur nous bénisse.
nde esika tulini totambola toyeba na kotalisa na ntongo ya lelo soki elingi koloba nini kela sania no benisi toza na mukanda ya Matthieu chapitre 13 toza na mukanda ya Matthieu chapitre 13 tobani na verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'étenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Tozaka kana Matthieu chapitre 13, sikoyo tozu verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne, c'est le fils de l'homme. Ok. Tosuki tozu biloko mi balé. Tozomona, Bible zo bake, le Seigneur premièrement était dans la maison. Mais le Seigneur devait sortir de la maison. Tango azo bima na maison, azo ya na mai, pembe na mai. Tango ya pembe na mai, il faut mata likolo ya barque. Landa mouvement au bien. Landa mouvement au bien. Que le Seigneur t'accorde l'oreille pour nous saisir. Ok. Jésus bina katandaku, aye pembe ni ya mai. Mais tango ya pembe ni ya mai, il faut akota na kati ya barque. Tango akota na kati ya barque, abandi ko enseigner. Abandi ko enseigner. Mais quand il enseigne ici, il enseigne à parabole. Tant qu'on a parabole, lobia, 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 lobia. On doit remarquer, na pembeni, na kata foule lobia na parabole, mais na pembeni, akobenga ba ekoli, nde azo parler bango, apesi bango explication, ya makambo lobia ki na parabole wana. Yango soko kiti, na esprit à révélation, n'esprit à révélation, ce qui est dans verset 36, il entra, il renvoya la foule, entra dans la maison. Nous avons expliqué, dans la révélation, Jésus, tant qu'il est dans la barque, il est dans la avant de la barque, il est en parabole, tango azongi na katandaku nde akobanda soko ko expliquer ba ekoli makambo ya lobaki na parabole. Voyez que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est pour dire que tango azolo bana parabole albi na parabole albi na parabole ba to azo renvoyer bazo kende ba ngoba ke ka na parabole. Soko tunie Yesu ateyaki ye ateyaki nini? Aye bishoka makambo Yesu alobaki tia sisi. Soko tunie siko makambo ngo ilakisi nini? Abi na ebite ilakisi ka ndenge so lobaki wana. Donc, il y a un qui a donc lobby. Donc, pour nous, il y a un lobby qui a un lobby qui est le Seigneur. Mais ça différent de ma disciple. Ma disciple, il y a une parabole. Mais ma disciple, il y a une parabole, il y a une explication. Que le Seigneur bénisse. Ma disciple, il y a une parabole, une explication. Mais foule. Foule, il y a une lingala, et tout le coup. Et tout le coup, il y a un bateau. Et tout le coup, donc et tout le coup, on a, bazaka seulement na parabole, mais bazana explication te. Mais ba disciple, bazala ki minorité, bazaka ka na parabole te, mais bango bazana parabole, bazape na explication. Que le Seigneur nous bénisse. Obo sanate, si j'ai la M. Zali, je remets mon esprit entre tes mains. Cela veut dire l'esprit quitte le corps et qui est na maboko. Que le Seigneur nous bénisse. Tozongi na kata litéana, biso. Bible totali sabiso ke babi ke nzamba bimaki na katia ndako. C'est pour dire que Dieu était dans la maison, mais Dieu devait sortir dans la maison. Que le Seigneur bénisse. Jésus aki na katia ndako, mais Jésus fo na katia ndako. Mouvement totali sabiso nini. Cette maison, c'est ça l'éternité. Tant que on a Jésus aza na katia ndako, c'est ça Dieu qui est à l'éternité. Parce que quand Jésus est dans la maison, il est invisible. Muta mona été muta solisa été aza na kati ya ndaku e hoteli sa nzambe oyo ezalaki éloigné des hommes, Dieu qui était invisible toujours ndako comme l'éternité, là où Dieu était oyo ezalaki invisible mutazo mona été éloigné des hommes. Que le Seigneur bénisse.
mais il faut acquitter ndaku aya pembeni ya mai. Il faut acquitter ndaku aya pembeni ya mai. Omoni tango azo quitter ndaku azo ya pembeni ya mai, tango akoma na mai nde il faut amata siko na kata barque pour banda ko se communiquer na peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que nous disons que le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous devons l'interpréter. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons interpréter le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que c'est bon, il y a un bon, il y a un bon. Il y a une interprétation. Il y a un bon, il y a Pentecôte. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, vous allez me supporter. Nandi makate bato ba interpréter abe pitre na partagera même ma vie na bangote. Je ne partage pas les mêmes avis na bato ba interpréter abe pitre parce que tondi makem mukolo ya Pentecôte quand le Saint Esprit est venu banda moli musante ya mukolo ya Pentecôte tu le lois ongate na biso na bantoma toujours vivre na même temps moni na bantoma na biso biso nyonso toujours vivre na katia même époque to vivre na katia même temps. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ba makambo ekomela ka bango wana, ekomela ka pe biso. Parce que biso nyoso, toi na katia même temps. Que le Seigneur nous bénisse. Nde to mona frère moko ozgina mwasi ya papa na ye, je kona 1 Corinthiens chapitre 5. Frère Paul azo silika, abi ke frère aboye, absent du corps mais a jugé. Frère ou le fois à la livrer, et pas à Satan. Que le Seigneur nous bénisse. Surtout tout ndi makye, et loko wana zo tali sa peke na kat eklezia lelo. Frère moko kotambola sali scandale azui makangu asali boye yebane pisi scandale frère wana zo mérite livraison que le Seigneur nous bénisse mais bate musuba interpréter opona ko lobake frère wazo ki mwasi ya tata na ye baki oza ribende non 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 biso na zone di meloko wana te au nom de Jésus-Christ nous ne confessons pas ça que le Seigneur nous bénisse parce que awa moli mo santo asi ayé tozon di maké ezap na marche na kata vie église boyeke un frère a koya sumuki ou a mérité sanction na kata basanto ça n'a rien à voir na maka maribin ou a zo ki soki pendeng ni non 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 que le Seigneur nous bénisse parce que soki bo interpréter ben pitre bo ponate bo interpréter nyonso bo tike loko te bo interpréter nyonso que le Seigneur nous bénisse bo interpréter nyonso bo tika te nous ne croyons pas cela que le Seigneur nous bénisse ba te na somo sous ba interpréter ba bi ke Paul a ebisaki Timothée prends un peu de vin pour ton estomac. Bon, nous sommes pas ici une explication. Balobi que vin wana nous a pour l'estomac. Nous sommes balobi que abano mais la mai mai ou alors c'est ça l'enseignement de la loi. Il fallait qui amela ceux qui peuvent vin vende c'est ça l'enseignement de la grâce. Oh, mais Timothée wana ça n'est pas la réalité angolo pas Paul. T'as Paul a zo comme il est on a moi na Paul. A ça n'est pas la réalité angolo ce que venir nous sous Timothée comme la soupe à grâce. Ce qu'on se dit, c'est que le vin, le bique, c'est l'enseignement de Timothée, il faut qu'il y ait un mela. Maïwan, c'est l'enseignement de la loi, vin, l'enseignement de la grâce. Ce qu'on fréquente, nini, fréquente une disposition estomac, il faut que l'imbo l'ango pète. Fréquente une disposition estomac, il faut que l'imbo l'ango. En tout cas, il y a une sensité. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que le bique, pour la suite, Timothée, tango roya, oui, langa par desi, wana par chemin, wana, ome melangango. Balubi, moni Paul, azalaki, Eli, Timothée, wana, azalaki, Élisée, manto, wana, par chemin, wana, c'est ça le Saint-Esprit. Non, non, non. Timothée, wana, qui dana moli moussantu. Pour la suite, c'est qu'il réanime les dons, osa nango, qui était versé par le Saint-Esprit. Timothée, wana, qui dana ministre, pour la zalakape, a dit, fait l'œuvre d'un évangéliste, c'était un ministre. Aki na badon spirituel. Bon, comment qui ministre n'est-ce pas le Saint-Esprit? Azoki badon spirituel, wana n'est-ce pas le Saint-Esprit? Nous ne confessons pas cet enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Tosun dima, l'ilaxiwanate, que le soit pas mbolabiso. Que le Seigneur nous bénisse. Tolobike, tango moni le Seigneur, aza nakati andaku, c'est ça Dieu à l'éternité qui est invisible. Mais il faut abima nakati andaku aya pembe nyamai. N'oubliez pas, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 17, 15, bon, t'as que les eaux qui étaient à vie sont de foule, de peuples et de langues. Bref, maï, oyo, yes, oiseau, ya, pembe, nango, c'est tout un peuple. C'est pour dire que le Dieu qui était éloigné des hommes est venu auprès du peuple. Nous avons dit que la musique est abattue. Donc, c'est ça l'éternité. Il était invisible, il était l'esprit. Il doit quitter maintenant cette étape-là de l'éternité. Il est invisible. 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 Il est invisible.
Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour dire que Dieu est venu nous visiter. Mais pour nous visiter, il faut ce qu'on a à barque. Vous avez dit, il faut matin à ta barque parce que barque on ne coupe ça est ce que possibilité il y a des alcoolas mai barque on ne coupe cette possibilité il y a que solo en abattu il y a côté abattu que la Seigneur bénisse la barque où le Seigneur a utilisé awa pour prêcher le peuple c'est ça le corps qu'on appelle Jésus que la Seigneur bénisse donc barque où le Seigneur a utilisé awa c'est ça le corps qu'on appelle Jésus. C'est parce que tant qu'on m'a dit qu'il y a une barque, il y a une barque qui enseigne. C'est pour dire que tant qu'il y a une barque, il y a une barque qui enseigne. Il y a une barque qui enseigne. Il y a une barque qui enseigne. Mais tant qu'il y a une barque qui enseigne, il y a une barque, c'est ça Dieu qui vit auprès des hommes. C'est quoi qu'on m'a dit qu'il y a une barque. Barque, c'est ça le corps de Jésus. Que le Seigneur bénisse. C'est ça le corps de Jésus. Où nous avons mis à la barque qui a enseigné le peuple, que le Seigneur bénisse. C'est pour dire que c'était la barque des opés en Zambé, possibilité à enseigner. C'est la barque. Que le Seigneur nous bénisse. Des opés, possibilité à enseigner. C'est pour dire que Dieu, dans le corps de Jésus, était tout un enseignant pour nous enseigner, pour enseigner le peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Il y a encore remarqué, Moïse qui n'a pas sa mon en Zambé, mais Nzamba a dit que tu ne peux pas me voir revivre. Mais Nzamba a dit que nako kita nakata niwe. Tant nako kita, je descendrai. Mais quand je descendrai, okomo nangai penza longite, mais okomo nanga na mukongo. Et la Bible dit que Dieu était descendu dans une niwe. Père Banda qui cause crier éternel, éternel, riche à bonté, riche à nanana, tout à l'obiana, qui assis ici. Vous voyez? C'est pour dire que Moïse en vérité a monaki niwe. Mais nakata niwe nzamba zalaki Moïse ozo représentait pe tout un peuple où yazalaka na posa ko mona nzambe na sen alliance que le Seigneur bénisse. Ici Moïse représente tout un peuple qui avait besoin de voir Dieu dans l'ancienne alliance que le Seigneur bénisse. Mais nzamba promettait que nakoya ce que mettant nzamba zoya azo kita nakata niwe que le Seigneur bénisse. Nzamba kiti nakata niwe or niwe. Vous remarquez, psaume 54, c'est que l'éternel a zoaka char et niwe lokola char nae. Tu comprends que char ezalaka niwe en Zambe, niwe ezalaka char en Zambe. Même kolo eli azo mata kende likolo, Elisabeth bele mon père char d'Israël et sa cavalerie. Nous avons compris que Élisée, Eli était tout un char. Or char c'est une niwe. Or Eli lokola prophète, tu comprends qu'un prophète c'est un char. Un char, c'est une niwe. Que le Seigneur bénisse. Yangozo mona, tangozo mona, nzambazo kitanakata niwe. C'est ça Dieu qui était descendu dans le corps de Jésus. Luc chapitre 4, verset 16. Un grand prophète nous est apparu et Dieu a visité son peuple. Moni, nzamba kitinakata, nzoto à Jésus. Ndekuna bandakoloba, l'éternel, l'éternel, riche à bonté, riche à miséricorde. Là, en colère, Dieu compatissant, qui punit, qui pardonne, de Moïse à Yokiango. C'est pour dire que Makambo Nzambazolo Banakata Niwe, c'est tout un enseignement pour Moïse, c'est tout un enseignement pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Mais attention, ils ont là qui peut un langage codé que nous devons expliquer aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Je ferme cette ombre pour na zonga na ombre na biso tobi que Jésus abimi na katia ndaku, c'est ça Dieu qui quitte l'éternité. Aé à côté na katia barque. Barque azo kota oyo, c'est ça l'esprit azo kota dans le corps qu'on appelle Jésus. Mais tant qu'à kota dans le corps qu'on appelle Jésus, ne akobanda koloba en parabole. Que le Seigneur nous bénisse. Ba parabole ana sozo loba zo loba zo loba zo loba ndezo talisa que quand Dieu était venu, na premier venu na e, tant wayaka na katia nzoto ya Yesu alobaka makambu verte mate mais il parlait par la à parabole. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi nous devons interpréter les paraboles du Seigneur. Nous devons interpréter les paraboles du Seigneur parce que tout, il faut tout interpréter par parabole. Que le Seigneur nous bénisse. Tant que nous avons Jésus, azo parlé en parabole, c'est ça l'esprit dans le corps de Jésus. C'est ça Christ en Jésus. C'est ça le Père en Jésus. C'est ça Dieu en Jésus. Pendant 3 ans à ministère, il parlait en parabole. Que le Seigneur bénisse. Il parlait en parabole. Tant qu'on parlait en parabole,
tant wa ko silisa ko parler en parabole, il faut asala mouvement moko mouvement ko sala, il doit quitter la barque, il doit quitter la barque. Tant wazo quitter barque akota na kati ndako omoni, tant wazo quitter barque akoti na kati ndako, mais tant wa kota na kati ndako na kati ndako ko loba sous en parabole te na kati ndako. Là maintenant il va expliquer la parabole. Ouais, le bac il banda na parabole, mais tant wa quitter barque akoti na kati ndako, maintenant dans la maison il va maintenant commencer à expliquer les paraboles. Que le Seigneur bénisse. Mais foulo batika la ki libanda o bakota ki na ndako te bango bazaka na parabole pona bango basuki wana akoki meme ko bunda pona parabole. Nazo bosa na ke parabole wana esenga une explication. Il peut même faire des débats sur la parabole. Ako meme ko bunda likola parabole. Akoki meme ko sa l'église likola parabole. Nazo ba ke parabole wana e bomba ki vérité qu'il faut expliquer aujourd'hui. Que la Seigneur nous bénisse. Cette foule représente plusieurs assemblées aujourd'hui. Oui, Bazakara na parabole, mais sans explication. Ici, nous disons la parabole, hein, c'est la lettre, les écritures écrites noir sur blanc, ou Zangi explication. Que la Seigneur nous bénisse. Et on te dit que foule ou na lingala, babenga kayango na lingala, bitouluku, etouluku, na lingala. Foule ou ba etouluku yabatu. Que la Seigneur nous bénisse. Donc, et tout le coup, ils ont la insultité. Et tout le coup, ils ont la insultité. Mais et tout le coup, ils ont tout simplement un langage de dire que, et si ka onyo so batu basangani na kombo ya nzambe, baza kaka na parabole, mais baza en explication te. Vous voyez? Baza kaka na parabole, mais baza en explication te. Donc, ils ont tel ça toutes les assemblées qui prient Jésus, mais baza seulement na lettre noire sur blanc non expliquée. Que le Seigneur bénisse. Pour quand le Seigneur quitte la barque à Zonga na kata ndaku, c'est pour dire que missionné na kata barque sili. Tant que missionné na kata barque sili, il faut atika barque à Zonga na kata ndaku. Yango to lobi que quand Jésus était venu sur la terre, c'est lui qui était la barque, oui, mais maki nzambe. Omona yende Emmanuel ayaki na kata bato. Mais akosala musala kosala musala kosala musala kosala musala tant que sili si mission ndaku loba j'ai même mon esprit entre tes mains. C'est la vitan ozo mona Jésus azo longwa na kati ya barque azonga na kati ya ndaku, c'est ça, j'ai même mon esprit entre tes mains. Que le Seigneur bénisse. Tanga longwe na kati ya ndaku na kati ya barque a koti na kati ya ndaku, cela veut dire j'ai même mon esprit entre tes mains. Asilisi musala na nzoto a longwe na nzoto nzoto wana lotikali kabod. Nzoto wana tikali pamba. Nzoto wana kati nango mulimu waza sute. Mulimu wakoti na kati ya ndaku. C'est ça, j'ai remé mon esprit entre tes mains. So, ndaku wazo kota awa. Na ndaku ya bimaki na liboso. Nyoso waza bandaku. Me diferansi zo zala. Ndaku ya bimaki nango na liboso. C'est ça, l'éternité que Dieu avait quitté pour venir auprès de nous. Me tango wazo longu wa siko. Wazo lobake tout est accompli. Wazo kota na kati ya ndaku. Ndako awa, ils ont représenté l'église. Vous voyez? Parce que c'est dans la maison qu'il va commencer maintenant à expliquer. Mais Nalibanda explique à quitter. Mais c'est dans la maison qu'il va commencer maintenant à expliquer. Donc, le même esprit, quand cet esprit était dans la barque, il est en parabole. Tobique barque, c'est le corps de Jésus. Mais quand le même esprit quitte la barque pour entrer dans la maison, maintenant, Abandi ko expliquer, que le Seigneur bénisse. Abandi ko expliquer. Tant le but que tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains, c'est pour dire que tant que ma parabole est sili, et comme je tant que explication, que le Seigneur bénisse. Tozolo bake, lelo moli mwanzambaza na maboko. Maboko oyo moli mwanzambaza li aujourd'hui, c'est le ministère de la parole. Parce que dans la maison, c'est là où Dieu expliquait. Azo expliqué ba parabole. Oya loba ki na libanda comme parabole, mais tango akoti na kata ndako abandi ko expliquer yango. Que le Seigneur bénisse. Donc oya loba ki na libanda kuna comme parabole, mais tango akoti na kata ndako à travers le Saint-Esprit, il commence maintenant à expliquer. Il y a un toujours baké, aujourd'hui mon amoureux à Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était venu, attention, il était venu dans la maison, hein, tant que vous voyez, à bandit qu'on expliquait. Ah, on a un joueur Pierre, le col à ma boucle en Zambie.
Oh, est-ce qu'on va expliquer les mystères? C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce que nous qui molimo, molimo, ça n'a qu'à t'y amaboko. Ici, je prends les mains comme les ministères de la parole. Moni, nazo amaboko, c'est comme molimo, azali, comme les ministères de la parole. Ce sont les ministres qui expliquent aujourd'hui les paraboles du Seigneur. Peuple, azoyoka, peuple, azondima. Peuple, à se mettre en pratique, que le Seigneur nous bénisse. Mais, bah, batikala qui na libanda, tilelo, bazana, nous na explication te. Bah, on batikala qui na parabole, sans explication. Voilà pourquoi nous disons que, et si ka au ministère, zate, en tout cas, bah, tu vas la na parabole, sans explication, bah, vous allez na noto, ou les anges explication, bah, vous allez na lettre non expliquée. Mais l'explication se trouve là où il y a les ministères. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. A quitter Kuna, a yé na katandako. Na katandako wana, ndeska banisko kope sa explication, nda banisko kope expliquer. Nous disons que aujourd'hui, les mains, elles ont représenté les ministères de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Les mains représentent les ministères de la parole. Vous voyez? Les ministères de la parole, c'est ça les mains. Oh, explication, Eza Kope Sama. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, le ministère est là pour nous expliquer Makambo Nyon Sonzambe Alobaki Nakatia Parabole. Que le Seigneur nous bénisse. Makambo Sonzambe Alobaki Nakatia Parabole, Mouli Mounanzambe, Lelo Azawana pour nous expliquer. C'est pour dire que quand on voit la chair de Jésus, attention, tant au monde en Zoto Yesu, tout au monde a l'état des paraboles. Que le Seigneur nous bénisse. Tant tout le monde a le corps de Jésus, tout le monde a le temps des paraboles. Jésus est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Parce que tant tout le monde a Jésus, en vérité, c'était aussi le temps de la loi. Pour tout le temps, Jésus, attention, c'était un aspect, il y a un ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance, c'était le temps des paraboles. Il y a Galates chapitre 4, verset 4, la Bible dit, que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme mais né sous la loi. C'est pour dire que Yesu abotamaki na tangu ya mobeko. Or, les temps de la loi, c'était les temps des paraboles. Que le Seigneur nous bénisse. Les temps des visions, les temps des songes, les temps des paraboles. Voilà pourquoi nous devons expliquer même les paraboles de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi tozolo baki l'ancienne alliance, c'était les temps des paraboles. Jésus était né na mobeko. C'était l'ancienne alliance, c'était les sacerdotes lévitiques. Ils ont bisoté. Nous allons nous rendre à Osée, chapitre 12, verset 11. Osée, chapitre 12, verset 11. Je parlais aux prophètes, je multipliais les visions, et par les prophètes, je proposais des paraboles. Nabandeli. Osée, chapitre 12, verset 11. Je parlais aux prophètes, je multipliais les visions, et par les prophètes, je proposais des paraboles. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour dire que quand tu vois le Seigneur, Azakoloba parabole, c'était le temps de l'ancienne alliance. A tout de suite, Jésus comme l'un des prophètes de l'ancienne alliance. Que le Seigneur bénisse. Azako parlait en parabole. C'est ça l'esprit. Comment on a Jésus na kata nzoto? Donc, comment on a moulu mon anzame na kata Jésus? Tu expliquais le corps de Jésus. C'est ça Dieu. Azakoloba na parabole. Et ça rappelle l'état de l'ancienne alliance. Ça rappelle les sacerdotes lévitiques où Dieu parlait en parabole. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi nous devons interpréter toutes ces choses. Mais tant que si le Samoussa n'a pas tant à Jésus, tant que je remets mon esprit entre tes mains, c'est pour dire que l'esprit quitte les corps. Ils ont quitté les sacerdotes et les lévitiques. C'est pour dire que Makamwanzoto, Yanzambe, Lelo, ils ont su Yanzoto, Makamwanzambe, Lelo, comme il y a Molimo. Je remets mon esprit entre tes mains. À longue na ma cesse, à qui na ma boko. C'est pour dire que tant que na ma boko, là maintenant nous prenons les mains comme les ministères. Ça, Dieu qui entre dans la maison qui est l'église, ndako bandasko ko expliquer. Que le Seigneur nous bénisse. Ndako bandasko ko expliquer les paraboles. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons interpréter les paraboles de notre Seigneur. Tokozon kaka na nzoto bongote, kolo yeso Christo apambola biso. Nous devons l'interpréter. Ok, tous les sous et l'eau comme sous. Tous les amkanda Exode. Tous les amkanda Exode, chapitre 19. Exode 19, Tobana verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp
à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Remarquez ce qui se passe. C'était au troisième mois, le troisième jour, Ndenzambe azo kitalikola montagne à Sinaï. Landa bien. C'était au troisième mois, le troisième jour, Ndenzambe azo kitalikola montagne à Sinaï. Mais quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, Nzamba loba ouvertement. Pour te dire que Nzamba kamataka et loko moko, mais répéta kango na ba manière rebelle. Dieu quitte le ciel, a quitté la montagne à Sinaï. Quand on a quitté la montagne à Sinaï, on a remarqué la montagne à Sinaï qui n'a pas cambré belé dans la place où on est. Là, c'est tout un enseignement au Seigneur, tout en temps rebelle pour nous expliquer la montagne de Sinaï. Et dans la couleur rebelle, c'est ça la richesse de notre évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Quand il descend sur la montagne de Sinaï, Hébra Kotel Sapso qui est la montagne, il y avait aussi des ténèbres. Il y avait des tonnerres. Il y avait une nouée. Donc Nzamba qui était dans la montagne à Sinaï. Mais quand il était descendu dans la montagne de Sinaï, il parlait en parabole. Azoloba. Bon. En vérité, tu le bien en parabole pourquoi? Parce qu'il parlait Azoloba ouvertement, mais peuple, bazo ka batonnerre. Peuple tant azo ka batonnerre, ayoki batonnerre, ayoka ki bienté. Mais maintenant il fallait que les Moïse a longwa na montagne à Sinaï, a quitté na montagne à Sinaï. Omona tant qu'on quitte la montagne à Sinaï, de Moïse koyo akobanda ko expliquer peuple makambo bango ba kina montagne à Sinaï. Que le Seigneur nous bénisse. Makambo to ba kina montagne à Sinaï, Moïse akobanda ko expliquer ngo peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Moïse ko bosa na te. Moïse wa salaka nani? N'oubliez pas soko ye na Exode chapitre 7 verset 1. Exode 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, j'ai été fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Zomona, « Awa, Nzambe, Azo Sala, Moïse, Nzambe, pour na Pharaon, pe alobike, alobike, ton frère Aaron sera pour toi un prophète. » Exode chapitre 4 verset 16. Po asala eka nzambe liboso pharaon te. Asala epe nzambe liboso aron. Exode 4 verset 16. Il parla pour toi, hein? Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ok. C'est pour dire que Aaron, Moïse ala ki nzambe liboso ya pharaon. Ala ki pe nzambe liboso ya aron. Tozo comprendre que Moïse oyo azrande image ya nzambe ye moko. Que le Seigneur nous bénisse. Mais remarquez ce qui se passe. Dieu quitte le ciel a quitté nakati a montagne. Cette montagne oyo, tu veux dire une explication belé, mais cette montagne oyo po azo kita ngo na troisième mois ndazo kita na montagne wana. Taba ko bimi n'Égypte na troisième mois ndenza mba kitina kata montagne. Est-ce que comme ça tel sur vie le troisième jour ndenza mba kitina kata montagne. Nous comprenons que cette montagne aujourd'hui ngomba wana e représente ka mutu. Vous voyez, cette montagne-là représente tout un homme, représente aussi le Seigneur Jésus. Ce qui est dans le psaume 133, où on a vu le globaké, et ça est sengo, n'a pas frère, va demeurer ensemble. Et ça, c'est l'huile, et ce panier n'a moutou, yaron, et kiti. Baké sur le globaké, et ça, c'est la rosée, et qui est le colo, et en montagne. Là, on compare Aaron à une montagne. Nous comprenons que Aaron, à la montagne, huile, et à la capé, rosé. Ce qui Aaron azalaka montagne, comme vous sentez que Aaron azalaka souverain sacrificateur, Hébreu, ils ont comparé Jésus, babenge le véritable souverain sacrificateur. Nous avons compris que le véritable Aaron azalakande le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Le véritable Aaron azalakande le Seigneur Jésus. Pour bazo comparer qu'on a Aaron, babi que azalakola huile et qui dit qu'on tue Aaron. Monsakola continue avec la rosée et qui dit que la montagne à Hermon. Nous avons compris que bah, le parallélisme entre Aaron et montagne. C'est pour dire que Aaron c'est une montagne. L'huile n'a rosé. Et c'est là que Moïse le Mamouli Moussant. On trouve que Aaron, le la montagne comme souverain sacrificateur, il était l'image de Jésus. C'est pour dire que quand Jésus était venu sur la terre, attention, il était toute une montagne. Mais une montagne ambulante qui marchait au milieu du peuple. Et on te dit que ma communion s'expliquait en Jésus. Babi que l'esprit était descendu au troisième mois, le troisième jour. C'est pour dire que c'était à l'âge de 30 ans.
Nde tozo mona molimo azo kitana kata nzoto a Jésus. Tango akota na mayi azo bima l'âge de 30 ans, nde tomoni molimo akiti. C'est ça le père azo kita. Quelle est ça nous bénisse. Mais tango ako kita boye, remarque tango ako kita boye, akobanda koloba. Okoyiba mwasa mninga na tete. Okosala boye tete. Okosala boye tete. Mais tango peuple azo yoka nde ba tonnerre. Azo yoka penda bien tete, azo yoka nde ba tonnerre. Mais Dieu parlait. Mais le peuple écoutait les tonnerres. Il y a un tonnerre au baquet. Bah, tonnerre, on a ce pour dire que Nzamba, le baquet ouvertement. Babande kouyo kanzambe biente. Les tonnerres là expliquent les paraboles. C'est ça, quand l'esprit de Dieu était dans le corps qu'on appelle Jésus, malobo Nzamba bande kouloban, le qui bat tonnerre. Cela veut dire bah, parabole. Le peuple a dû comprendre. Le peuple n'avait pas saisi la pensée de Dieu. Le peuple n'avait pas compris Dieu. Donc Dieu parlait en parabole. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Dieu parlait en parabole. Peuple a simba qui était. Peuple a compris qui était. Que le Seigneur nous bénisse. Mais tant que l'on a parabole, peuple a été. Et puis, remarquez, on remarquez le bique, tant que kitaki, Moïse a même qui peuple n'yon soliboso naïe. C'est pour dire que ce jour-là, quand il était venu, tout le monde devait l'écouter. Exode 19, 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Donc tous les peuples bayaki panaï pour bayokaï. Et on trouve que quand Jésus était venu, quand il parlait, c'était son temps. À côté, il y en a beaucoup. Il faut tous les peuples bayende koyokaï. Que le Seigneur bénisse. Et on remarque na butu, tous les gens na moi, na sans na minzoto, mais na tongo moi akoya moi tango angenga et moko angenga na sans na minzoto te. Or, la ligne nous parle, il y a un grand luminaire à Boutou, c'est le prophète Moïse. Les étoiles représentent tous les prophètes de l'ancienne alliance au Barenyaki. Mais tant que Toko Manatongo, dispassation de Bangwe Sili, le soleil a s'élevé, c'est le temps de la grâce, Tokoyo, Kaitoko Soumoutoumoussoute. Que le Seigneur nous bénisse. Yangozo Mouna Badno Soubakoyako, c'est pour dire que quand Jésus était venu, tout le monde devait l'écouter. Que le Seigneur nous bénisse. Yende a montagne, il y a Sinaï. Mais dans la montagne à Sinaï, Dieu parle, tant que Azo Loba, peuple bazo ka ba tonnerre, peuple bazo ka nzambe biété. En quelque sorte, Dieu parlait en parabole. Peuple bazo ka été, que le Seigneur bénisse. Mais, tant qu'on a loba, ko silisa, peuple a yo quitté. Maintenant, Moïse, il faut quitter l'école à montagne. Moïse, il faut quitter l'école à montagne. Tant Moïse a quitté l'école à montagne, il y a 7, Moïse a bandi ko expliquer bango, makambo bandi ko yo kawana. Moïse a bandi ko expliquer, makambo na tant qu'on a ki. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tant que le baki kukukuku boye, lingo baki okofuka meleke kote. Tant que sala ki boye, lingo le baki okozwa mwasa ndumba te, okosala ki ndumba okozwa mwasa mninga na yote. Tant que le baki boye, lingo le baki tosa mukolo ya sabato, que le Seigneur bénisse. Or Moïse a zako expliqué aussi total ici na deux écritures na Exode 4 na Exode 7 azalaka nzambe azalaka nde lilingi anza ilongi nzambe nzamba bengaka nzambe que le Seigneur bénisse yango to biki tango zo mona nzamba zo loba na kata montana Sinaï akitaka na 3e mois c'est ça la colombe c'est ça l'esprit qui était descendu en Jésus na 30e année na ye à côté en parabole na kati na ye vous voyez il va prêcher en parabole mais tant qu'on a la fin, il y a mission, il faut que je remets mon esprit. C'est ça. L'esprit qui quitte le corps qu'on appelle Jésus. L'esprit qui quitte les sacerdotes lévitiques. Et ils ont quitté Namaboko. Tant qu'on a Moïse, ils ont quitté la longue de Kolangomba. A quitté, attention, tu dis que Moïse a qui mange en Zambé. Ils ont allé en Zambé, ils ont quitté les sacerdotes. Je prends la montagne de Sinaï comme le corps de Jésus, comme les sacerdotes lévitiques. Tamoni Moïse kitanaka tangomba, c'est ça Dieu qui quitte les sacerdotes et lévitiques. C'est ça l'esprit qui quitte le corps de Jésus. Nde tangwa koya, nde Moïse ko banda ko expliquer peuple. Makambo lo makikuna o bayoka kite. Ya on tobiki Moïse wana za nzambe, selo Exode 7:1, selo Exode 4, je crois 16 topesi. Eza image à nzambe, l'esprit qui quitte le corps de Jésus. Oyo lelo ye na kati ya ministère, vous voyez, pour maintenant commencer à expliquer les paraboles. Voilà pourquoi un ministre, aza muto yo esengeli beaucoup plus que sambe la pona ye, enfin que nzambe akoba na ko révéler maloba na ye pour révéler au peuple.
Un ministre, aza mutu oyo, il faut qu'honorer, aza mutu il faut qu'on soutenir, que le Seigneur bénisse, parce que nanzela na ye, nde peuple, azo comprendre likanisi ya Nzambe. Vous voyez? Et c'est qu'au ministère azate, ministère azate, nde parabole na parabole. Donc, pour na bangoti loba si bakot, moi, ça na perte, na tango ba période na ye, a koko tanakata ba sambla, ba plus 60 belate, pour na bango, ba zupenza malobano so oyo ya Christe. En parabole, bazo sale la onga noir sur blanc bongo. Nous comprenons que ministère na place ouana ezate. Que le Seigneur bénisse. Donc, total, ça que, tant que ba ke, je remets mon esprit entre tes mains, c'est ça Dieu qui quitte les sacerdotes et les vitiques. C'est ça Dieu qui change les sacerdotes. Azoué na maboko, maboko wana lelo. Ezo représenter les ministères de la parole. Oye, baza ko expliquer penser en Nzambe. C'est pour dire que si Dieu avait caché la pensée hier, aujourd'hui, Dieu ne cache plus sa pensée. Aujourd'hui, Dieu révèle sa pensée. Voilà pourquoi Moté a continué à battre que comme tu critiques que nous t'as aucun nous méditer. Non, Moté a continué à battre que nous méditer. Moté, Moussa les années expliqué sur penser en Zambé. Le rôle du prédicateur, les années ont macamboza et macassi à expliquer au peuple. Ils attendent que Moté a mati a comme sur compliquer peuple en Zambé. Un prédicateur ne peut pas compliquer le peuple de Dieu, mais un prédicateur est là pour nous expliquer la pensée de Dieu. Un prédicateur est là pour prendre les choses difficiles à rendre en facile. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous ne sommes plus autant de paraboles. Yango remarqué Jean na il a Patmos. Tant tout tout qui était digne de prendre le livre et de l'ouvrir, de rompre ses sceaux. Il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Jean pleurait, Jean pleurait. Jean zola parce que Moutako Fongo la livre à Zate. Les livres là, c'est ça les paraboles non expliquées. Les livres là, c'est ça la pensée de Dieu cachée. Moutako expliquait en Ouazala qui était, voilà pourquoi Jean pleurait. Vous voyez? Mais aujourd'hui, Jean ne peut plus pleurer parce que nous avons le ministère de la parole qui nous explique la pensée cachée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Aujourd'hui, Christ a quitté le sacerdoce lévitique pour nous expliquer sa pensée. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a encore remarqué na pensée mo tout tambola na yango na pensée ou te ko leka to simba ki eloko oyo mais to expliquer ki yango te to simba ki to expliquer ki yango passant mais par rapport yalité na biso lelo nde ekosenga to vanda na place wana. Que le Seigneur nous bénisse. Nde oko remarqué ezalaki na mukanda ya nombre, na mukanda ya nombre chapitre 10. Na mukanda nombre chapitre 10 kuna bakoloba ke tangu ba demontaki que le Seigneur nous bénisse, s'il vous plaît, que je cherche encore les critiques. Tozui nombre, nombre chapitre 3, nombre chapitre 3 verset 41, nombre 3 41. Tu prendras les lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, verset 33. Il partit de la montagne de l'Éternel, montagne de Sinaï, et marchèrent 3 jours, l'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux, et il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Que le Seigneur nous bénisse. Tous en a des écritures. Première écriture, tous au monde a Israël, tant au tambola, tout le monde tabernacle, aux eaux campées, n'a qu'à peuple. N'a qu'à tabernacle, il avait l'arche. Comme tu as quoi comme on a dit, tu expliquais déjà tabernacle, c'est une tente. Or, la tente là, c'est tout un corps. C'est ça le corps de Jésus. Oh, n'a qu'à tout le monde l'arche. L'arche là, c'est ça la présence de Dieu en Jésus. Mais, tant au bazo démonter. Tabernacle, arche zo manakata tabernacle, ko démonter tabernacle, c'est ça la mort de Jésus. Arche zo manakata tabernacle, arche wana c'est ça l'esprit. Nazo loba père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Maintenant, quand l'esprit sort dans l'arche, l'esprit a kokende wapi. Zo mona, et c'est quand on se explique les ministères comme les mains. Parce que quand l'arche zo bimanakata temple, nakata tabernacle, arche zo kende na maboko ya ba levite. Que le Seigneur bénisse. Tozui le tabernacle comme Jésus,
L'arche qui était dans le tabernacle comme Dieu, la plénitude de la divinité comme Christ, démontait l'arche, c'est ça la mort de Jésus à la croix, et l'arche abîmée dans le tabernacle, c'est ça l'esprit qui sort dans le tabernacle. Mais tout le monde attend l'arche dans le tabernacle, l'arche qui est née dans ma boucle, les vites, les sacrificateurs. Ce sont les Lévites sacrificateurs nés baso memayango. Nous avons compris que les Lévites a topé ces critères dans Nombre chapitre 3. Nous avons baso benga bango ba premier né naïe. Les Lévites étaient les premiers nés. Or les Lévites comme les premiers nés, ils représentent les ministres. Un ministre c'est un premier né. Que le Seigneur bénisse. Un ministre c'est un premier né. Parce que premier né, aza muto ya bota makamuto liboso na famille. Or ko bota malikanisa nzambe zande ko bika. C'est pour dire que le premier né étant un ministre, ministre Abika Kava Mundimia Bika, que le Seigneur nous bénisse. Ministre Abika Kananou Yambo Mundimia Bika, Ndakote Mundimi, Mundimia Bika, Ndengeye Asi Abika, que le Seigneur nous bénisse. Ok, Yango ko remarqué, tant que Israël a côté na Katia Kana, Ribin, Gad, Ribin, Manasse, Gad, bango basoki déjà héritage nangamu ya mai riben la premene gad premene manase premene moni bango na bazo héritage après ba kusunga bande kuna bango bakina ko héritage. Or l'héritage aujourd'hui c'est les roms de c'est les sali, c'est pour dire que za ba premier né bazokana no sali ba bikaka après ba kusunga ba leki na bango po bakende ko zo sali yango ministre de miso nzamba za kamukolo ataza mwana mke na age par rapport à mundimi. Maintenant, nous avons besoin de l'écanisme, nous avons besoin de l'écolo. Il y a un truc qui est en arche de Bimanakati à temple et dans le tabernacle, arche de Kine Namaboko, il y a des lévites, des sacrificateurs, des premiers-nés. Il y a un truc qui est en arche, il y a un truc qui est en arche. Quand l'arche Kopanza tabernacle, c'est ça la mort de Jésus à la croix et l'esprit quitte. Et qui bimi na kata nzoto et na kata ba ministre nde ba ministre nde baza na yango. C'est pour dire qu'aujourd'hui les mains de Dieu représentent aussi les ministères de la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Oyo baza na liteya baza kokamba. Mais remarquez tango bazo démonter tabernacle bazo tel pona kokende ba bike ils quittèrent la montagne de l'Éternel. Or la montagne de l'Éternel bazo lo ba awa c'était Sinaï. Or quand on voit Sinaï, on voit les temps de la loi, les temps des paraboles, les temps des visions. Vous voyez, maintenant, Bazo démonter tabernacle, c'est ça la mort de Jésus. Il quitte ce lieu. Je remets mon esprit à Tiki Yango. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à Sinaï. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la loi, mais aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi le ministre de la parole doit expliquer la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu ait la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons beaucoup prier pour le ministre Nabiso. Enfin que ministre matanachère a bêta ka masoloté mete bisolo bananzambe ndeto ka moi mona moté azoté ami bengi ministre ami bengi docteur apôtre prophète pasteur. Mais quand il monte sur la chair, il est là que pour nous parler sur les démons, il explique les démons. Mais sans retourner la question sur le Seigneur Jésus a été posé la question, est-il vraiment ministre ou un ministre de Satan? Comment un ministre de pays moko songolo ayeba ko lomaka mamboka na bangote alobaka makamboka ya bapaya? Non, un bon ministre doit maîtriser la divinité de Jésus, doit prêcher Jésus parce que c'est Jésus qui est son patron. Un bon ministre doit être capable d'expliquer les paraboles. Or, les paraboles ici, c'est la lettre, la loi, les prophètes et les psaumes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le soit pas pour la bisou. Ah, un ministre, il faut expliquer aux alliés, penser et en zambé. Que le Seigneur nous bénisse. Tokusuki sapona kolobake. Quand tu vois l'esprit de Dieu quitter les tabernacles, quitter le corps de Jésus, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la chair, mais aujourd'hui, c'est le temps de l'esprit. Que le Seigneur bénisse. Moutou azolo bake, azana molimo, parce qu'un ministre, comme azana molimo, azakatinae, il faut avoir la paix spirituelle. C'est pour dire que l'ère où nous sommes, ce n'est plus le temps de la chair, mais c'est le temps de l'esprit. Que le Seigneur bénisse. Le roi de temps où il y a molimo, nous devons prier que le Seigneur nous aide enfin d'accomplir sa volonté, enfin d'accomplir sa pensée. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce n'est plus le temps, il y a Nzoto. Il y a sous-terre, il y a Nzoto. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes au temps de l'esprit. Cela veut dire que nous devons être des hommes spirituels
non des hommes charnels, non des hommes physiques. Que le Seigneur nous bénisse. Dans nos assemblées aujourd'hui, nous avons l'esprit, oui. Nous avons l'esprit. Mais seulement, jusque-là, biso batu, to communion à niveau on zambazo zela bisote, que to koma milimo ndenge yenzambe azamolimo. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est plus le temps de la chair. Tant ya ko bendanaka, tant ya ko tambola na kindumba, tant ya ko tambola na kobo, tant ya ko tambola na via songi songi, tant ya ko tambola na via lokuta, tant ya ko tambola na via koswana, tant ya ko tambola na via bitumba. Po ezala bande ko msusu tilelo ayamba lite ya meabundaka. Que le Seigneur nous bénisse. Ayamba lite ya meabundaka. Nous comprenons jusque là comme une spiritualité comme lite ya, parce que la prédication que nous prêchons est spirituel. Comme nous avons reçu la prédication qui est spirituelle, nous devons être aussi spirituels comme la prédication que nous avons reçue. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous devons prier le Seigneur afin que tout le monde soit en nzoto, tout le monde soit molimo. Que le Seigneur nous bénisse. Tout le monde soit en nzoto, tout le monde soit molimo. Et puis, tu as là, aussi le temps que le Seigneur Jésus était dans la chair, ma place nous serait dans la porte, à côté de la porte. Mais quand le Seigneur a koufa quand la chair a commis molimo a kota sous na porte te porte ya kokanga ba yeko libaza bata manakata ndako mabelikati na bango bisomo ke la paix soit avec vous. C'est pour dire que quand il était dans la chair d'autres choses a ko sala ya ngote, mais tant qu'a commis molimo il est partout, il fait toutes choses. Ya ontontolo ba ke un homme charnel c'est un homme limité, mais un homme spirituel n'est pas un homme limité. Un homme ba kuti Yesu bakangi na porte batie mabanga babike Yesu akose kwate, mais comme azo koma molimo bango batie libanga ba empêcher nzoto, mais bazo bosona ke muto na kati wana azalaka nzoto te matato certain esprit mais abimi. C'est pour dire que un homme aussi le temps que nous marcherons dans la vie de la chair, mes frères et sœurs, tokotikaka bato bakanga biso tokotaka na ba lien tokotaka na ba chaîne tokotaka na ba chèque. Aussi le temps que nous marcherons dans la vie de la chair, une vie terrestre, nous serons limités. Mais aussi le temps que nous serons dans un homme spirituel, la personne ne peut nous lier, la personne ne peut nous bloquer. Que le Seigneur nous bénisse. Remarquez, remarquez, aux hommes na Salomon, Samso, bazo kangaye, bazo tobole misu, bazo kangaye bachen, bazo bomaye. Pourquoi bazo tobole misu? Prison. Pourquoi bazo kangaye bazo kate basuki? Parce que aye baki na ko dévoiler secret naye bakati suki pe molimo na nzamba se retira ki kati naye. Or Samson était un homme spirituel. Quand l'esprit de Dieu était sur lui, personne ne pouvait l'arrêter, personne ne pouvait le faire du mal, parce que molimo na nzambe azala ki likolo. Mais le jour où Samson va pécher, l'esprit va le quitter. Cela veut dire Samson comme mutulo kola batu nyoso yangoye moko ayebisaki ayebisaki mwasi nae suki bakatinga suki je deviendrai ordinaire comme tout autre homme. Nous comprenons que un homme spirituel n'est pas un homme ordinaire, un homme spirituel n'est pas un homme comme tout autre homme, un homme spirituel c'est un homme extraordinaire, on ne peut pas l'arrêter. Mais Samson comme tout autre homme kolo molimo na nzamba zo tikae, Samson kota na kata prison ba tobolie misu ba kangie makolo. Aussi le temps que nous serons des hommes charnels, nous allons souffrir. Aussi le temps que tokoza la batu ya nzoto, les démons vont nous combattre pe ba kolonga biso. Aussi le temps que nous serons des hommes charnels, les gens de ce monde nous combattront. Nanjela basoroka, nanjela msela mabe, pe bakolonga biso. Mais quand l'esprit de Dieu a ebakisu na ko simba Samson, akata ki bachen, abuka etang mulibo na nzamba simba kiye, abuka ki bakolonne, abuka ki tututu pe, batutu baebaki na kokufa. C'est pour dire que un homme spirituel, à cause de jamais na kata ba lien. Un homme spirituel à cause de la jamais nakata ba chaîne, un homme spirituel à cause de la jamais nakata misala ya mabe nakata ba combattre ba longae. Mais quand est-ce ces choses ezwa ka makoki likolo ya peuple, c'est quand nous abandonnons l'esprit to komi charnel to komi terrestre. Komoni koko ma charnel, cela veut dire ko to sa ba posa ya nzoto, koma un homme pécheur comme les païens. Concert à Banan Zambé Zali, surtout Minga Bandegonosuba Zarana Poto. Frère Matou Samuel Akebe Takuna, Bakoti.
un frère tel à Kébeta Kuna, Bakoti, on de Konjizenzita, on de Konan, oui, Bakoti. Les mêmes frères, les mêmes frères, sœurs, Bakéba Konser, Ouana, soit le Biké, ou Rakébeta, Bakoti, Pé. Soit le Biké, ou exemple, un tel, soit qui peine à nous n'y a qu'à l'eau, Rakébeta Zaïko, Bakoti, mais posons-nous la question. Es-tu chrétien ou païen? Où est ta position? Où est ta place? Soit le Biké, ce qui est spirituel, au Salama, ok. Soit le Biké, ce qui est charnel, c'est diabolique, au Salama, ok. Mais où est ta position? Un chrétien, c'est un homme spirituel. Or, être spirituel, c'est la colicomie. Parce que la Bible dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Je crois dans Jean chapitre 6, verset 63, si je ne me trompe pas. Que le Seigneur nous bénisse. Omoni, c'est pour dire qu'un homme spirituel, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Aussi, le temps que nous serons des hommes spirituels, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Aussi le temps que tu seras un homme spirituel, tu seras illimité. Personne ne peut limiter ton projet. Personne ne peut limiter tes pensées. Mutumoko ta ko limiter action na yo. Mutumoko ta ko limiter travail na yo. Qui commencera un travail et qui l'achèvera. Vous voyez? Qui commencera un travail et qui l'achèvera. Tu travailleras et tu vivras la gloire de Dieu. Ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par un seul chemin. Bakoya est belé pour te combattre pendant la nuit. Bakwa kolonga yote parce que tu n'es pas un homme charnel, tu es un homme spirituel. Mais quand tu marches dans la vie du péché, hein, quand tu marches dans la vie du péché, oko ma limité. Et là, ma kamso kwa kosalate. Que le Seigneur nous bénisse. Yango remarkaka, tango tambo na kati, exemple, distraction, masoum ekoti. Po bonde la karatamso pendant 2 heures, 3 heures, problème. Pourquoi? C'est le péché. Nous avons lourdir et comme ce kilo. Mais on remarque que tant que la vie à sanctification, tu peux prendre beaucoup de temps. Tu peux passer toute la journée dans la face du Seigneur à prier sans stop. Vous avez dit, il y a un total ça que Jésus, quand il était encore dans la chair, ce qui est pas contre la porte, il faut abéter. Moni, il faut abéter la porte. Mais tant que vous avez fait ce qui est dans la porte, Jésus a mis la porte. Et à côté, on a un porte pour Fukanga, mais à côté, c'est un esprit. Parce qu'on ne peut pas fermer la porte devant un esprit. C'est pour dire que, aussi longtemps que nous serons des hommes spirituels, nous avons une porte à vie na yoazate. Nous avons une porte à vie na yoazate. Nous avons une porte à vie na yoazate. Parce que tu es un homme spirituel. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu peut permettre que les combats puissent arriver. Oui, Dieu dans sa souveraineté peut permettre que les combats puissent arriver. Mais ce que moni ke bitumbe comme na kata vie na yo, yeba que Dieu veut t'enseigner la vie de la prière, Dieu veut t'enseigner la vie des sacrifices. Mati sa vie à l'osambo, mati sa vie à sacrifice et tu verras que la gloire de Dieu sera ton partage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tout ce qui se pona aspect oyo, prochainement to simba soso aspect mususu. Que le Seigneur nous bénisse parce que na parole makambozé belé na expliquer ce qu'elle va se faire monsieur Ezekali autre simba yango prochainement. Que le Seigneur nous bénisse. Ma numéro na monsieur Zali +243 89 860 88 75. Numéro monsieur Zali +243 89 88 77 333. S'il y a des questions bobengi biso toko sola pe toko répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ, ce que j'appelle ma préoccupation, je suis en train de me faire un peu de temps, mais je suis en train de me faire un peu de temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.